Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Shein. Alors, j'ai pas acheté grand-chose, mais en fait, j'ai acheté 4 articles et je vais vous montrer. Je comptais quand même vous montrer ce que j'avais acheté. Je vous mettrai ici la photo du site, les prix et je vous mettrai également les essayages que j'ai fait. Je vous ferai un petit débrief juste après les essayages. Alors, j'ai tout d'abord acheté un lot de 3 brassières. Donc, vous avez la noire, c'est des brassières sans couture que vous enfilez comme un t-shirt. Je les ai pris en taille L. Ils sont comme ceci. Vous avez des coussins à l'intérieur, des petits coussinets que vous pouvez enlever. Vous avez une petite fente ici sur le côté et vous pouvez les enlever. Elle est ici. D'ailleurs, elle est à l'envers. Ici, je la remets à l'endroit. Comme ceci. Et celle-ci, je l'ai déjà portée 2 fois, j'ai déjà lavé 2 fois et elle n'a pas bougé, vous ne la sentez pas. Alors par contre, pour les poitrines qui sont un peu tombantes, il n'y a pas énormément de soutien, mais elles sont vraiment agréables à porter. Donc il y a la noire, vous avez celle couleur chair, comme ceci. En tout cas, elle fait une jolie forme de poitrine. Enfin, pour ma part, je trouve qu'elles sont assez sympas et on ne les sent pas en fait. Donc c'est assez agréable. Et vous avez également la blanche, comme ceci, sans couture. Ensuite, j'ai pris un haut comme ceci. Il est vert, il a les épaules dénudées. Il y a les manches qui sont évasées. Il n'est pas très très long. Devant, ça fait un petit côté colvé. Et derrière, il est droit, comme ceci. Je l'ai déjà porté et il est très agréable, il est très léger et j'adore. Alors pour le premier haut, il est vraiment super, il est agréable à porter. Comme vous avez pu le voir derrière, on peut régler les bretelles au niveau du décolleté, en fait, pour monter plus ou moins le décolleté. Et j'adore, j'adore la matière, j'adore tout. Voilà, je le recommande à 2000%. J'ai pris une combinaison. Alors j'avais pris exactement la même l'année dernière en noir et franchement elle est top, on est trop bien dedans. Le tissu est assez léger et enfin c'est elle est trop bien. Donc elle est rouge comme ceci, rouge foncé. Vous pouvez faire tomber une épaule par exemple à manche courte. Vous avez un lien à la taille pour la resserrer, des poches. Et elle arrive au niveau de la cheville ou des mollets selon la taille que vous faites. Moi, je fais 1,60 m et elle m'arrive à la cheville. La combi, comme je vous disais, je suis hyper fan. Matière hyper agréable. La couleur, j'adore. Ça change un peu du noir. En fait, on se sent comme dans un pyjama dedans. C'est vraiment super parce qu'on n'est pas, on n'est pas serré. Il n'y a rien qui vous serre à la taille. Vous réglez le lien comme vous voulez. Non, vraiment, elle est top. Je vous la conseille. J'ai pris un t-shirt basique noir à colvé comme ceci. Il est un petit peu transparent. Il n'est pas très très long. Il a l'air large. Toujours en taille L. Le tissu est assez léger. Donc je pense que ça va être assez agréable pour cet été. Alors, les manches, il y a un petit revers ici. Je ne sais pas si vous verrez. Ça se replie en fait sur le côté. Donc voilà. Alors pour le t-shirt, comme vous avez pu voir, il est un peu transparent. J'ai mis une brassière en dessous que je vous ai montré précédemment pour vous vous rendiez compte un peu ce que ça donnait. Le t-shirt est hyper léger, le tissu est agréable, franchement un basique. J'adore parce qu'on est trop bien dedans, il est large, je vous le conseille. Et pour finir, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. J'ai pris une robe verte comme ceci parce que j'avais pris une noire dans mon dernier haul. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos de mon dernier haul. J'avais pris une robe noire qui me plaisait beaucoup au niveau de la coupe et au même des motifs. Donc, j'ai pris à peu près la même avec les motifs verts. Le col est comme ceci. Par contre, celle-ci, elle a un élastique à la taille. Elle est longue. Sur la noire, il y avait une fente devant, mais celle-ci, elle n'est pas fendue. Alors pour cette robe, je vous avoue que je suis un tout petit peu déçue parce que je la trouve un petit peu mémérisante. J'aurais préféré qu'elle soit ou un tout petit peu plus longue ou un petit peu plus courte en fait. Et là, entre les deux, je trouve que ça fait un peu mémérisant. Et la ceinture, je pensais qu'elle tombait vraiment, enfin l'élastique, il tombait vraiment au niveau de la taille. Et en fait, il tombe juste en dessous de la poitrine et
j'aime moyennement. Bon, je vais la garder parce que je ne l'ai pas payé très cher. Et on est vraiment trop bien dedans. C'est comme si on a fait presque rien sur la peau en fait. C'est un tissu hyper léger et en fait elle vous colle pas la peau. Elle est le... enfin, c'est vraiment très agréable pour cet été. Le lien des articles en barre d'infos, comme ça, si vous voulez aller voir directement, ainsi que le lien du site, si vous voulez voir sur le site, et puis si vous êtes intéressé par certains des articles que je vous ai proposés, donc comme ça, vous pouvez y aller directement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre, à vous abonner, activer la cloche. Je publie régulièrement et me rejoindre sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Je vous mets les liens en barre d'infos. Merci à tous et à bientôt.